On l'avait un peu vite oublié, j'y m'ont dit. C'est quand on ne parle plus de lui que l'Italien réapparaît en haut du pavé. C'est d'ailleurs à n'y plus rien comprendre. Martin Saint-Belge est champion du monde en Italie. Gimondi, un Italien, gagne Paris-Bruxelles. Battre les Belges chez eux constitue une performance de haute volée. Il est vrai que Gimondi n'est pas le premier venu. Et puis, à 34 ans, il a peut-être voulu montrer aussi qu'il n'était pas encore décidé à passer les pouvoirs à son jeune compatriote Moser. Cet après-midi, Gimondi a employé la manière forte. Personne n'a pu le suivre et devant un public belge stupéfait, il est arrivé tout seul à Bruxelles, comme il l'avait déjà fait il y a 10 ans.